Le rap, il faut reconnaître que c'est une musique juvénile et la musique la plus consommée au Mali. Et les jeunes s'identifient au contenu des jeunes rappeurs. Et si ces contenus ne sont pas sains, ça peut détruire l'éducation des millions de jeunes. Et si on parvient aussi à assainir ce contenu, ça peut aussi éduquer des milliers de jeunes. C'est pourquoi on a initié ces festivals. Et aussi, pour que dans les jours à venir, nos fils, nos jeunes frères ne peuvent pas nous dire que qu'est-ce que vous avez fait pour le rap après tant d'années. Et cette année, on l'a délocalisé de Dialakorodji pour Senou. Et dorénavant, ce festival sera un festival mobile. Il faut reconnaître que les lauréats des concours, on n'a pas d'argent à les offrir, mais on les outille. À travers un album produit par Festipop, on ne prend rien sur les droits de l'album, on le produit et tout ce qui va avec. Et on enregistre aussi les lauréats au niveau du Bureau malien des droits d'auteur. Donc, il devient artiste professionnel avec sa carte professionnelle. Né fin de semaine, je suis allé à la participer à la guerre de Jamie, mais je suis découragé. Je suis allé à la première année. Je suis allé à la conscience. Nimaya soutient toutes les initiatives culturelles qui portent sur les questions de cohésion sociale, sur la paix, sur la lutte contre l'extrémisme violent. Donc toutes les initiatives qui veulent faire en sorte que la situation au Mali s'améliore. Maintenant, le rap, c'est parmi une des initiatives qu'on soutient, mais on a vu quand même que le rap, ça parle beaucoup aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui écoutent le rap, donc nous pensons aussi que c'est un canal intéressant pour s'adresser à la jeunesse, mais aussi pour eux, pour s'exprimer. Artistes n'arrivent pas à se défendre sur les médias. Quand ils sont invités sur les plateaux de télé, la plupart du temps, ils n'arrivent pas à s'en sortir dans la communication, dans les échanges entre les journalistes qui les posent des questions. Et c'était un peu de cadrer un peu les jeunes à pouvoir maîtriser leur biographie en soi, à pouvoir parler et à pouvoir porter des messages sans créer des polémiques sur les réseaux sociaux, soi-disant ce qu'on appelle aujourd'hui les buzz. Bon, on a une formation de formation. Parce que il y a beaucoup de gens qui nous donnent. Et tout le monde, il y a des gens qui nous donnent. Bon, avec David Araperou, il y a des gens qui ont une formation de formation. Il va bien, c'est la David de la prochaine d'offre. Nous avons été codons dans la grande nouvelle foranée, la nouvelle foranée. Il faut biographie, à tous les gens qui nous ont donné la nouvelle foranée. Artistique qui comporte Pochomina, un artistique qui est plateau qui est Pochomina. Oyo be foyana ne gute min do ala bombora ko lu do don ala kwa okera na famba ni ma emi nyanere folo.